Ça y est. Eh ouais, ça y est. On y est, nous y sommes, comme je le dis souvent. Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo CB300. Eh ben voilà, le moment est venu, on va parler de ce jeu. Le test complet, le grand test, le gros test. Bah bref, vous appelez ça comme vous voulez, mais ça y est, il faut le faire. On y est maintenant. Il va falloir en parler et j'ai hâte de vous donner mon avis sur ce jeu. Et beaucoup d'émotions, beaucoup de choses autour de jeu, beaucoup de trucs qui gravitent autour de ce titre de Miyazaki-san, des équipes de From Software et de tout le chemin parcouru depuis le début. Parce que c'est ça aussi qui fait la différence, c'est ça aussi qui montre à quel point finalement cette licence, et quand je dis cette licence, je parle bien des Souls-like, mais surtout de voir en fait l'évolution au fur et à mesure des épisodes, au fur et à mesure du temps, de voir tout cela évoluer et devenir ce qu'elle est devenue ici aujourd'hui. C'est-à-dire finalement, eh bien, de se dire que From Software est passé d'un petit studio un petit peu nébuleux dans son coin, à faire des petits jeux dans son coin, à un des plus grands studios de tous les temps aujourd'hui, avec une des licences et un genre à part entière qu'il a créé. On se retrouve donc aujourd'hui pour parler de ce jeu. Elden Ring, oh yeah! Allez, c'est parti pour le test d'Elden Ring, un jeu From Software. C'est édité par Bandai Namco. C'est un jeu que Peggy conseille aux 16 et plus, arrivé sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Series X, ainsi que sur PC. C'est un jeu de type Souls, voilà, tout simplement, que vous pouvez bien sûr jouer tout seul, hein, évidemment. Toujours ce principe de connexion où vous allez pouvoir avoir des petits messages qui vont vous être laissés par les joueurs, pouvoir invoquer des gens pour vous aider, pouvoir envahir le monde des gens pour pouvoir les déglinguer et les décimer. Bref, on retrouve finalement un petit peu, eh bien, la particularité finalement de ce type de jeu en l'occurrence. C'est un jeu donc sorti courant du mois de février, fin février, sur les plateformes précédemment concernées, évidemment, comme je vous l'ai dit. Et c'est un jeu qui a fait beaucoup parler de lui, et c'est un jeu qui s'est surtout extrêmement bien vendu au moment où je vous parle et au moment où je fais le test, c'est-à-dire le 20 mars 2022. Plus de 12 millions d'exemplaires vendus, ce qui est colossal pour un jeu de ce type, on le rappelle. Et je pense que, définitivement, cet épisode a été aussi le tournant et un marqueur fort d'une volonté aussi de faire venir des nouveaux joueurs, des nouvelles joueuses, et aussi, pourquoi pas, de faire découvrir à un plus grand public la licence, et en tout cas, le style très spécifique de From Software avec le fameux Souls-like. Est-ce que Elden Ring, on peut dire que c'est un peu le Dark Souls 4 finalement? Oui, évidemment, puisqu'il reprend, je l'avais déjà dit, mais il reprend les codes, il reprend l'ADN, il reprend même certaines animations, hein, des anciens. Hein. On sent qu'ils auront pu un peu piocher, hein, ici à droite à gauche. C'est pas dramatique au fond, parce que quand on voit tout le travail qui a été fait autour, on se dit oh mon dieu, c'est quand même assez impressionnant. Mais c'est pas parfait. Ah non, c'est pas parfait. Il y a pas mal de choses quand même que l'on peut reprocher à ce jeu, et notamment un en particulier. On va dire un ou deux à la limite. On va essayer bien sûr d'y venir dans ce vidéo test. Attention, risque de spoiler dans les captures que je vous montrais. Ça a été hyper compliqué de faire des captures sur ce jeu parce que à la fois, t'as envie de montrer des choses pour dire aux gens, regardez, ça c'est beau, tel décor, tel environnement, tel boss, et en même temps, tu te dis, mais ouais, mais le jeu, il est basé sur l'exploration. Et donc forcément, l'exploration, la découverte. Quand t'arrives dans tel monde, dans tel machin, tu prends l'ascenseur, t'arrives, tu vois le monde, tu fais, wow, incroyable! Donc tu te dis, oui, en montrer suffisamment, c'est bien, mais pas trop. Donc c'est pour ça que j'essaie de limiter au mieux le spoil, mais ça a été... Ça a été hyper compliqué, franchement. Donc, faites quand même un petit peu attention pour le plaisir de la découverte. On va tout de suite venir, évidemment, sur l'un des points aussi importants, finalement, de ce Elden Ring. Ça a été, eh bien, ce fameux lore qui a été créé autour du jeu, notamment par les équipes de From Software et de Miyazaki-san, mais aussi avec l'aide de George R.R. Martin, ou R.R. Martin, bon, vous appelez ça comme vous voulez, bref, George Martin,
on va dire ça comme ça. Il a bossé, il a bossé. Alors, il a bossé, mais c'est vrai que quand on regarde un petit peu ce qu'il a fait, c'est vrai que on s'attendait peut-être à plus, hein, honnêtement. Ça fait partie d'une de mes frustrations et de mes petites déceptions, finalement, autour, justement, de cette collaboration entre les deux équipes. Parce que, très clairement, la proposition, ici, de George R.R. Martin est, finalement, assez sommaire. Pas excessivement incroyable dans ce qu'il a voulu créer. Par contre, ce qu'il a fait... c'est quand même déjà important, il a posé les bases de l'univers d'Elden Ring. Et évidemment, quand on voit bien sûr ces fameuses bases, on se dit, c'est quand même intéressant. T'arrives, t'es un sans-éclat, donc un monde ouvert où tu te dis, punaise, qu'est-ce que je dois faire, où je dois aller, et qu'est-ce que je dois réaliser finalement. Voilà, tu dois devenir le nouveau seigneur du cercle d'Eden, enfin le nouveau seigneur d'Elden tout simplement. C'est toi qui dois devenir le grand Manitou finalement, et le grand chef suprême de ce monde. Mais pour ça, eh bien, il va falloir bien sûr passer quelques étapes, il va falloir bien sûr évidemment décimer pas mal de boss, pas mal de sous-boss. Arrivé à un moment donné, tu vas te dire, ah, c'est bon, je suis arrivé. Eh ben non, c'est pas fini. On va reparler d'ailleurs de cette petite dimension du on pense que c'est fini, alors qu'en fait, pas du tout. C'est vrai que ça, c'est quand même assez surprenant. Donc, c'est vrai que la proposition, finalement, de Monsieur Martin, il est assez sommaire, assez basique, surtout qu'en plus on sait que maintenant, et c'est officiel, hein, il a vraiment posé finalement les bases de l'univers, c'est lui qui a créé un petit peu le lore de base finalement du jeu d'Elden Ring, et c'est ensuite les équipes de From Software qui ont développé autour finalement du lore et autour de ce qu'il a créé. C'est clair que c'est beaucoup plus, je vais pas dire que c'est plus heroic fantasy que d'habitude, parce que c'était déjà quand même un petit peu le cas auparavant, mais tu sens quand même une inspiration assez intéressante sur... bah, les dragons, la présence de ces dragons, la présence un petit peu de certains soldats, de chevaliers et ce genre de choses, où on sent que c'est beaucoup plus ancré, je dirais plus facilement en fait, dans l'environnement global et dans le background général voulu par le jeu. Donc c'est vrai que ça, sur ce point-là, c'est vrai que ça fonctionne plutôt bien, mais voilà. Ne vous attendez pas à grand chose. Oui, il y a des petits easter eggs. Il y a des petites choses qui ont été distillées ici et là, notamment, et qui vont vous faire penser à Game of Thrones, bien sûr. Mais on va pas non plus se dire que c'est absolument incroyable et exceptionnel. Donc, petite frustration, petite déception à ce niveau-là. Je m'attendais quand même à beaucoup plus à ce niveau-là. Surtout qu'en plus, au final, on retrouve, pour moi, un des petits défauts du jeu, c'est-à-dire cette espèce de mise en scène très... très éloigné, très indirect. Finalement, le scénario du jeu, faut aller le chercher. Ce n'est pas raconté réellement. Oui, la mise en scène dans les cinématiques, elle est incroyable. Quand tu vois les présentations de boss, quand tu les vois arriver, tu te dis « punaise, qu'est-ce qu'ils sont classés et tout ça ?» T'as des cinématiques qui sont vraiment magnifiques et qui, justement, développent un petit peu le lore qu'il y a autour du jeu, mais c'est vrai que ça reste très indirect. Vous voulez des informations sur tel personnage, sur ce qu'il a fait, sur le pourquoi, du comment, le tel boss, pourquoi, qu'est-ce qu'il a fait, il est quoi, c'est qui, c'est le fils de qui, c'est la fille de qui, machin, etc. Vous devez vous renseigner, vous devez aller chercher l'information, parce que l'information ne viendra pas vers vous. Donc c'est important, donc ça fait partie aussi des éléments qui vont obligatoirement mettre des gens de côté. C'est une histoire et un scénario que l'on doit aller chercher parce qu'il est enfoui, comme dans les anciens finalement. J'aurais apprécié un peu plus de mise en scène, un peu plus finalement de mise en abîme et de mise en valeur finalement de ce scénario, même si globalement, pour le comprendre, on est en terrain connu à ce niveau-là, surtout si vous avez fait bien sûr les anciens Souls, et parce que vous savez comment aller chercher l'information et comment la trouver. Petite anecdote d'ailleurs, c'est pas... j'irais assez logique de le trouver, c'est très logique de le trouver, mais vous avez donc George R.R. Martin, G.R.R.M. Bah regardez les initiales de boss, et les boss primordiaux notamment. Ça devrait un petit peu, je pense, vous surprendre. Bref, on va revenir maintenant sur le jeu, sur ce qu'il est. Et là, clairement, je vais pas vous mentir, je pense qu'il y aura un avant et un après Elden Ring. Quand je suis arrivé dans le monde, première fois, bon, j'avais déjà fait la bêta, donc c'est vrai que première fois que j'arrive dans le monde, je le connaissais. Je me disais, c'est beau, c'est magnifique, c'est grand. Et puis, ben, je me suis dit, ben, on va se balader. Comment ça se balader ?
Alors, pour l'instant, au début, c'était à pied. On se balade à pied, machin, tout ça. Premier boss, hein. Le premier boss que tu vois, de toute façon, il est avec son cheval, avec cette espèce de grande hache, ou je sais plus quoi, de lance ou de hache. Enfin, bref, tu te fais des glingues. Voilà, c'est le cadeau de bienvenue. Voilà, on te dit bonjour, tu es là pour en chier, tu vas en chier comme pas possible. Merci, vas-y, continue, n'hésite pas. Donc, c'est vrai que la première mise en bouche est assez particulière, mais les Souls, c'est comme ça. Alors, je vous parle bien sûr du commencement, mais avant d'arriver dans l'open world, il se passe quand même quelque chose. Mais ça, vous le découvrirez bien sûr en faisant le jeu. Donc, j'arrive dans le monde, dans l'open world, je me dis, c'est quand même sympa, on voit quand même beaucoup de choses. Vraiment, il y a un truc, il y a quelque chose. C'est un open world qui est créé, qui a quelque chose, qui a un style, qui a un visuel. Atto en parlait beaucoup d'ailleurs dans ses vidéos. Il parlait beaucoup de level design, et ça, je suis d'accord avec lui. Hein. C'est vrai que le level design, on en reparlera après, mais il est incroyable. Mais aussi le level art. Et c'est vrai que le level art, c'est certainement peut-être l'une des choses les plus incroyables de ce jeu, parce que tout est crédible. On a vraiment l'impression d'être dans un monde post-apo, dans un monde détruit, délaissé en fait, tout simplement. Mais tout est tellement crédible parce que t'as pas l'impression qu'on a rajouté des choses pour faire en sorte que, voilà, on a rajouté quelque chose. Non, non, tout a un sens. Et c'est ça qui est quand même incroyable. Et puis, on continue à avancer, blablabla, on continue à avancer, machin. On se repose donc aux différentes grâces que vous allez avoir dans le jeu. Grâces, il y en a énormément. C'est les points, entre guillemets, de sauvegarde. C'est-à-dire les points où vous allez pouvoir augmenter votre niveau, changer aussi les fioles, parce que là aussi, pareil, au niveau des soins, ça a un petit peu changé. Il faut savoir que vous avez le choix entre des fioles de soins de PV ou de PM, donc de magie. Donc, vous pouvez répartir en fonction de ce que vous voulez faire comme personnage, puisque vous avez toujours plusieurs classes disponibles au début du jeu. Moi j'ai pris la classe de guerrier au début, donc avec les deux lames courbées, comme Julien évidemment, c'est marrant. Et donc du coup vous avez le choix vraiment de faire votre personnage comme vous en avez envie. Il y a l'astrologue, il y a le samouraï, etc., etc. Il y a pas mal de classes aussi qui va permettre, je pense aussi aux nouveaux venus, de se dire tiens, je vais essayer quand même de ne pas m'imposer tout de suite une difficulté très présente, ou en tout cas une exigence très imposante, et je vais essayer d'y aller doucement mais sûrement. Ne négligez pas les armes assainissement. Voilà, les armes assainissement sont extrêmement importantes ici dans ce jeu et évidemment peuvent vous, on va dire, sortir du pétrin, notamment quand vous avez des ennemis un petit peu trop puissants. Après, bien sûr, tout dépend encore une fois de votre style de jeu. Mais ce qu'il faut retenir avant tout, et c'est peut-être le message principal, jouez comme vous en avez envie. N'allez pas commencer à suivre des personnes qui vont vous dire « Ouais, mais il faut que tu joues comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, faut que tu fasses ça. » Les boss, tu peux t'aider des boss, parce qu'en effet, des boss, tu peux avoir soit des invocations qui vont t'aider à combattre un boss, ou tu peux prendre des espèces d'esprits, donc avec une espèce de cloche que tu fais sonner, et tu peux invoquer des soldats squelettes, tu peux invoquer un mimique, qui a été nerfé hein, d'ailleurs, hein, ils ont baissé sa puissance, hein, merci beaucoup From Software, grâce à la mise à jour 1.03, je crois, de mémoire. Et ensuite, pour invoquer des loups et tout ça et tout ça, ça, ce sont des invocations que vous pouvez upgrader également en termes de puissance. Ne négligez pas ça. Et attention, là aussi, il y a une petite manipulation à faire pour pouvoir faire en sorte d'avoir la personne qui va justement vous permettre de les faire évoluer. Il va falloir parler à des personnes, notamment au niveau du monde, enfin, pas du monde, mais en tout cas de l'endroit où il y a une table ronde. Je n'en dis pas plus, mais vous avez compris évidemment ce que je voulais dire, ceux et celles qui ont fait le jeu. Mais jouez comme vous en avez envie. Le problème, en fait, parfois de certaines communautés, et notamment la communauté des Souls, la communauté Pokémon, la communauté Mario, la communauté... Enfin, tout ce que vous voulez, il y a toujours un petit noyau un petit peu dur, très extrême, hein, de ces gens qui, parfois, te donnent des leçons. Et ça, c'est très regrettable, hein, parce que t'as toujours des gens qui sont là, « Oui, moi, j'ai joué à Dark Souls, je les ai finis level 1, les mains dans le dos, j'ai pas regardé, j'ai rien fait, j'ai joué avec les pieds, et j'ai réussi en moins de 12 heures. » C'est bien, très bien, félicitations, mais on s'en fout. On s'en bat les couilles, franchement, on en a rien à cirer. L'important, c'est de jouer comme vous en avez envie. Et la particularité d'Elden Ring, justement, c'est d'avoir cette espèce de soupçon d'accessibilité qui a été renforcé, qui a été vraiment, et qui a pivoté pour faire en sorte, justement, de vous proposer quelque chose qui vous sera plus accessible, moins rentre-dedans pour que vous en preniez plein la tronche. Jouez comme vous en avez envie, et les autres... On s'en fout. Alors, heureusement, ce n'est pas toute la communauté des Souls qui est comme ça. Et bien heureusement, la plus grande partie de la communauté Souls est hyper bienveillante et comprend
que chacun fait ce qu'il veut, donc heureusement c'est ça. Mais voilà, il y a toujours une partie un petit peu nébuleuse, voilà, de certaines communautés qui ont tendance à vous dire ce que vous devez faire et ce que vous avez à faire. Moi, pour moi, c'est très simple et je vais vous dire clairement les choses. Jouez comme vous en avez envie. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. C'est simple, c'est efficace, c'est net. Et au moins, vous allez kiffer. Et ouais, et au moins, vous allez kiffer, tout simplement. Donc, quand on arrive justement dans les différents points de grâce, en effet, vous vous rendrez compte que des points de grâce, donc c'est-à-dire ces fameux points de sauvegarde, vous allez en avoir beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup disséminés dans tout l'open world. Bizarrement, dans certains lieux où justement on a des grands châteaux, des grottes, des cavernes, tout ça, il y en a beaucoup moins. Parfois même, ils sont beaucoup trop espacés, dans certains lieux. Alors c'est très bizarre, notamment dans certains manoirs et certains châteaux, je l'ai vraiment ressenti. Parfois, une grâce peut être éloignée vachement de l'autre, alors que dans l'open world, limite, tous les 100 mètres, t'en as un. Bon, c'est très bizarre comme ça, mais bon, pourquoi pas. Et donc ensuite, ces grâces-là, comme je vous l'ai dit, vous permettent donc d'augmenter votre niveau, de pouvoir... Donc, changer vos fioles, mettre des cendres de guerre. Les cendres de guerre, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui va vous permettre, en fait, tout simplement, de mettre un pouvoir supplémentaire à votre arme, que vous allez lier à votre arme directement. Vous pouvez mettre, par exemple, des pouvoirs de glace, pouvoirs électriques. Moi, je l'avais fait notamment sur ma lance, parce que j'ai récupéré la lance de Pat. Pour celui qui a vu la rediff de YouTube, vous comprenez ce que je veux dire. Lance que j'ai beaucoup aimé au début, et puis ensuite après je suis passé directement sur donc la Moon Whale, donc l'épée lunaire en fait. Enfin, c'est une espèce de d'épée lunaire que tu peux là aussi augmenter avec des pierres de forge sombre. Là aussi pareil, aller récupérer plein de choses, des pierres de forge, des trucs de soins et tout ça et tout ça. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'exploration est gratifiante. L'exploration dans ce jeu, elle est récompensée. Parce qu'en plus, au fur et à mesure d'avancer dans le jeu, on va parler à un personnage qui s'appelle Mélina, qui est un personnage très important, qui est très discret comme personnage, mais très important pour la suite de l'aventure. Si vous avez fait le jeu, vous savez pourquoi. Vous allez récupérer Torrent, donc le fameux cheval qui là aussi apporte énormément d'accessibilité, parce que quand vous avez des combats que vous allez pouvoir faire notamment à d'autres chevals, on se rend compte que définitivement ils sont beaucoup plus simples quand on les fait justement avec Torrent que sans. Et ça aussi pareil, c'est ce qui apporte ce sentiment d'accessibilité dans le jeu. Et puis aussi surtout, allez explorer le monde. Allez-y parce que c'est un bonheur absolu. C'est un bonheur absolu d'aller l'explorer. Et ça fait partie clairement pour moi des énormes points forts du jeu. On se retrouve devant un petit peu l'esprit de Zelda Breath of the Wild, c'est-à-dire tu débarques dans un monde que tu ne connais pas, tu n'as aucune indication, hormis les indications pour aller battre les boss majeurs évidemment et les boss primordiaux bien entendu, mais on le voit notamment quand on regarde sur les grâces, il y a une espèce de petit halo de lumière qui va vers l'endroit où vous devez aller, où vous devez suivre en fait votre fil rouge, mais allez explorer, découvrez le monde d'Elden Ring, parce que moi c'est ce que j'ai fait, et j'ai découvert des trucs de fou, je regardais à un moment donné, je me dis, waouh ouais, machin, oh, il se passe des trucs, oh, un dragon qui arrive et tout ça, bim, boss optionnel, allez c'est parti, on arrive, on continue à avancer, on arrive dans un espèce de château, premier boss, boum, voilà, on le déglingue, on continue, deuxième boss, machin, on le déglingue et tout ça, puis après tu te dis, bon, je continue ou je vais quand même un petit peu ailleurs, tu continues à aller ailleurs que sur ton fil rouge initial, tu découvres Kaelid, où tu te dis « Ok, j'ai pas le niveau, mais j'y reviendrai après », avec cette espèce de ciel rouge, rouge sang qui est absolument magnifique. Tu découvres des nouveaux ennemis, t'arrives comme ça, tu vois « Oh, une grotte, il y a quelque chose, hop, j'y vais, boss optionnel, je récupère un objet, une arme, une armure, une cendre de guerre ou ce genre de choses ». Donc tu te dis « Ok, super », tu ressors, bam, tu continues avec ton petit cheval et tout ça, bam, tu trouves une nouvelle grotte, il y a un nouveau truc et tout ça. Alors oui, les grottes et on va dire les espèces de cavernes et autres choses enfouies dans le sol sont malheureusement très et trop proches les unes par rapport aux autres, c'est-à-dire qu'elles se ressemblent toutes malheureusement, elles ont le même level design, il n'y a pas vraiment de surprise à ce niveau-là, ça c'est très dommageable malheureusement et ça fait partie des petites déceptions aussi que j'ai, avec parfois aussi un recyclage de boss, là aussi pareil, pas ouf, hein. Parfois tu as des boss que tu retrouves deux fois voire trois fois, ouais, c'est pas forcément hallucinant à ce niveau-là, on a l'impression qu'il y a limite une espèce d'overdose comme ça de boss alors qu'il n'y avait pas forcément besoin d'en avoir autant. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y aura de quoi faire, hein, ça c'est une évidence. Mais oui, par pitié,
découvrez le jeu. Après, t'arrives à un moment donné, tu te vois à un espèce d'ascenseur, tu te dis, putain, l'ascenseur, qu'est-ce que je dois faire? Tu dois récupérer deux morceaux de médaillon. Les morceaux de médaillon, si tu ne sais pas où ils sont, il va falloir aller les chercher. Parce qu'il n'y a véritablement pas grand-chose qui va te permettre de te mettre sur le... qui va te permettre d'en savoir plus, sauf une petite indication quand même, pour au moins savoir où tu dois chercher. Et quand tu récupères le médaillon, tu te dis, bon, bah, je vais pouvoir aller à l'aéroport, pas du tout, à l'ascenseur de Dectus, tu montes le médaillon, et là, tu te dis, putain, mais c'est pas fini. Tu découvres limite un deuxième monde, c'est un truc de fou. Et là, encore une fois, c'est beau à en crever, c'est magnifique. Tu découvres Yundel, tu découvres d'autres mondes, tu découvres des boss optionnels, et tu découvres aussi Malenia. Et tu pleures énormément parce que tu fais j'en prends plein la gueule, voilà. Non, ça fait toujours plaisir. D'où le casque, hein, évidemment. De toute façon, on le voit qui est juste ici, hein, bien sûr. Et le personnage de Malenia. Et puis tu continues à avancer. Tu te dis bon, je me rapproche de la fin du jeu. Bah non, t'arrives. On te dit ah bah non, tu peux pas brûler le truc. Ah bah maintenant faut aller à un autre passage. Et là, tu découvres donc la cime des géants et tu fais ouais, mais c'est pas fini. En fait, plus t'avances dans le jeu, plus tu te dis bon, c'est fini, mais c'est jamais fini. Et tu découvres des morceaux de monde comme ça qui viennent s'ajouter au monde que tu découvres déjà. C'est incroyable. C'est incroyable. Et tout ça est dans une espèce de folie de découverte qui fait qu'à chaque fois que tu découvres le monde, à chaque fois que tu découvres les environnements qui ont été créés pour l'occasion, tu te dis « Oh putain, mais qu'est-ce que c'est beau ! Qu'est-ce que c'est magnifique ! » C'est vraiment là-dessus, encore une fois, et on revient sur le fameux level art, il est insane. Il est insane, c'est la découverte à chaque fois de ces mondes, de la création de ces mondes, de ces espèces de châteaux que tu vois plantés comme ça, super grands, avec ces montagnes à côté, et que tu découvres au fur et à mesure de ton avancée dans le jeu, tu te dis, c'est hallucinant. Alors, autant l'esthétique et le côté artistique du jeu est incroyable, hein. Ça, on l'avait déjà dit, et je le redis ici, que ce soit le jeu de couleurs, que ce soit les contrastes, que ce soit évidemment le cycle jour-nuit qui fonctionne plutôt bien, parce que tu peux choisir aussi le cycle jour-nuit. Et attention, pareil, en fonction du cycle jour-nuit, il y a des choses qui peuvent se passer en jour et en nuit. Faites très attention aussi par rapport à ça, parce que ça a une importance pour certaines choses, notamment pour certains boss optionnels qui ne sont qu'à certains moments clés du temps, en fait, tout simplement. Et à chaque fois, c'est une découverte totale parce que tout est tellement beau, tout est tellement magnifique à ce niveau-là. Et évidemment, c'est l'architecture, bien sûr, de ces environnements. Donc c'est pour ça, esthétiquement parlant et artistiquement parlant, le jeu te met une gifle monumentale là où, techniquement, bah, c'est pas ouf, hein. Bah, très clairement, techniquement, le jeu, il est très, très, très... Bah, il fait très ancienne gêne, hein, de toute façon, faut pas se mentir, hein, le moteur n'a que trop peu évolué, et on voit que, par exemple, certaines animations sont toujours les mêmes, on a toujours finalement un moteur physique qui, au-delà de péter des caisses, des rambardes, des étagères et ce genre de choses, c'est bien, hein, ça fait toujours son petit effet. Bah, le moteur physique, c'est un peu réduit à son strict minimum, malheureusement. La hitbox, pareil, la hitbox, elle n'est pas toujours non plus au niveau, parce que parfois, tu as l'impression que tu donnes vraiment le coup au moment donné et à l'endroit où il faut, et parfois, bah, tu as l'impression que ta hitbox, elle n'a pas fonctionné du tout. Donc, c'est-à-dire, je le rappelle, hein, la hitbox, c'est-à-dire cette espèce de zone de carré de rectangle sur l'ennemi, sur l'adversaire, qui fait que quand tu touches ce rectangle, ça fait un dégât. Et bah, parfois, la hitbox, elle fait un petit peu n'importe quoi. Donc voilà, mais ce sont des choses qu'on connaît déjà avant et qui étaient déjà des défauts avant et qu'on retrouve malheureusement ici. Ça aussi, pareil, c'est assez regrettable malheureusement de revoir encore ces petits défauts ici et là. Et puis voilà, techniquement parlant, c'est sûr que ça sera pas le plus beau jeu du monde. Donc tout ceci est compensé par une espèce de level art et de design, d'esthétique, d'artistique qui fait que tu te dis... C'est quand même incroyable. Et c'est ça la force, encore une fois, des artistes, de ceux qui vont dessiner, qui vont crayonner, qui vont créer un univers, qui vont créer un ensemble, et grâce notamment, bien sûr, à l'aide de George R.R. Martin, bien sûr, mais aussi derrière tout le travail qui a été fait par les équipes de From Software, justement, pour rendre, encore une fois, tout l'environnement crédible grâce au jeu de couleurs, grâce au contraste, grâce tout simplement au design global, tout simplement. C'est fabuleux. Vraiment là-dessus, c'est fabuleux. Et j'ai trouvé ça d'une beauté abyssale. Pas technique. Le jeu technique, il pue un peu. Mais esthétiquement et artistiquement parlant,
franchement, il n'y a rien à dire. C'est d'une beauté abyssale, et encore une fois, on le redit, le level art est absolument insane. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur mon aventure, mon épopée sur le jeu? Parce que c'est une épopée! C'est une épopée que tu vis en fait en jouant à Elden Ring. C'est beaucoup de frustration. Aussi, c'est beaucoup de frustration également parce que tu te dis, j'en prends plein la tronche. C'est quand même un truc de ouf. Alors bien sûr, on retrouve les mécanismes des Souls en règle générale, les mécaniques des Souls évidemment. La progression est différente parce qu'elle te laisse plus de liberté. Donc forcément plus de liberté, c'est-à-dire que tu peux faire plus de choses. Par exemple, si t'es bloqué, tu te dis, bon, je reviendrai après, je vais aller ailleurs pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais on te laisse plus de liberté, donc du coup moins de frustration brute que dans les anciens où par exemple t'avais pas trop le choix non plus, fallait passer ça, point barre. Que là tu peux encore te permettre d'aller visiter un peu plus de choses ailleurs. Ne négligez pas bien sûr l'augmentation des niveaux, ne négligez pas non plus aussi les stats qui vous permettront de pouvoir devenir très puissant, et peut-être même trop puissant trop vite. Et j'en viens au deuxième pour moi problème du jeu, alors c'est un problème qui va être réglé avec les mois de développement, mais c'est un problème quand même. L'équilibre du jeu est totalement rompu. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas normal qu'au bout de 4-5 heures, tu peux déjà devenir overpowered, comme on dit, que tu peux déjà devenir OP, que tu peux déjà devenir extrêmement puissant. Ce n'est pas normal. Normalement, ça se passe pas comme ça. Alors certes, c'est bien pour ceux qui font du speedrun, c'est très bien. Vous l'avez certainement déjà vu, notamment dans plein de vidéos, le fameux, par exemple, le pied glaçant que tu balances comme ça par terre et qui fait des dégâts considérables. Bah là, pareil, avec la mise à jour, ça a été nerfé. Certaines armes qui étaient beaucoup trop puissantes ont été nerfées également. Nerfé, ça veut dire en gros downgradé, c'est-à-dire qu'on a diminué, en fait, tout simplement, leur puissance. Ils ont diminué aussi la puissance du mimic. Le mimic, pareil, quand tu l'augmentes à haut level, il détruit les boss tout seul. C'est quand même impressionnant. Alors certes, on l'a pas tout de suite le mimique, mais bon, quand même. Les loups, moi j'ai utilisé les loups pendant un bon moment aussi. Et pareil, les loups peuvent devenir très vite, très puissants. Donc c'est vrai qu'il y a un équilibrage comme ça qui est toujours un peu chancelant où tu te dis, bon, alors c'est bien parce que du coup les nouveaux venus vont se sentir aussi protégés. Et ça, c'est une bonne chose. Et en même temps, tu te dis, bah ouais, mais finalement, du coup, bah, j'ai l'impression que le jeu a un manque d'équilibre et que du coup on peut devenir trop vite, trop puissant et que cette espèce de progression dans le niveau eh bien, est un petit peu cassée, un peu détruite justement par ce manque d'équilibrage. Alors encore une fois, peut-être que ce n'est qu'un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup parce que justement ça permet de me dire qu'on aurait pu avoir peut-être quelque chose d'un petit peu mieux maîtrisé à ce niveau-là. Mais bon, ça va être fait avec les mises à jour. Il y aura encore des mois de mises à jour à faire comme ça, évidemment, parce que oui, c'est pas normal d'avoir des armes qui sont OP dès le début, même si, encore une fois, je le redis, mais dans les Souls, c'était déjà le cas. Rappelez-vous notamment du premier Dark Souls et la fameuse épée draconique, si ma mémoire est bonne, qu'on récupérait en pétant la queue du dragon qui était au-dessus, hein, vous en souvenez. Donc, une arme OP, mais c'était une seule. Là, clairement, il y a beaucoup de choses qui font que tu peux être OP très vite, hein, évidemment. Et bien sûr, la magie qui est complètement pétée dans cet épisode, comme d'habitude. En plus, j'avais dit, je ferai un personnage magique et tout ça. Ben, au final, je suis reparti bourrin. Enfin, quoique, pas, je suis pas reparti bourrin, je suis reparti dex. C'est vraiment, j'ai une spécialisation dans la dextérité. Parce que justement, les sabres et parce que justement, le saignement. Saignement, c'est incroyable, encore une fois, c'est magnifique. Et donc du coup, voilà, ça fait partie là aussi des choses, tu te dis, bon, il va falloir du temps pour équilibrer tout ça. Mais c'est compliqué, hein, je le reconnais, hein, c'est compliqué d'équilibrer un jeu comme ça avec autant d'armes, autant d'armures, autant de choses à récupérer, autant de cendres de guerre. C'est un jeu qui est ultra complet à ce niveau-là. T'as des dizaines et des dizaines et des dizaines de choses à récupérer, d'objets à récupérer, de trucs à débloquer, les fameuses quêtes secondaires qui se débloquent au fur et à mesure de ton avancée dans le jeu. Juste en parlant à un personnage, tu te dis, peut-être qu'il va me donner un truc, et en fait tu te rends même pas compte que c'est une quête secondaire, que t'as lancé une madame que tu vois par terre et qu'elle te dit, il faut aller en parler, tu donnes la lettre à mon père au château, et puis voilà, il va te dire ça. Donc tu te dis, ok, d'accord, une quête secondaire qui va te se lancer comme ça, machin, ok, très bien, tu vas lui donner, et puis il se passe quelque chose. L'autre qui te demande d'envahir les joueurs pour ensuite après te casser le doigt, ou ce genre de choses. Bref, il y a plein de choses comme ça, qui sont encore une fois cachées, et qui t'invitent à l'exploration une fois de plus.
Parlons quand même aussi un petit peu d'un point très important, c'est l'accessibilité. Parce que ça, ça a été aussi un débat monumental. Justement, on disait, l'accessibilité, c'est inaccessible, machin et tout ça. Ouais, le jeu est plus facile. Le jeu n'est pas plus simple, il est plus accessible. Ce n'est pas la même chose. Ah non, 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 ce n'est pas la même chose. Un jeu plus accessible n'est pas forcément plus simple. Et non. Un jeu plus accessible n'est pas forcément plus facile. Et non. Un jeu difficile n'est pas forcément exigeant. Et un jeu exigeant n'est pas forcément difficile. On le redira et je le répète ici. Un jeu difficile, c'est Zelda 2. Sur NES. Un jeu difficile, c'est Contra. Sur, justement, la partie de... J'en prends plein la gueule, et pourtant je suis bon. Mais non, t'en prends plein la gueule. Mais c'est normal, parce que le jeu est difficile. Un jeu exigeant, c'est Dark Souls. C'est Sekiro. C'est Nioh. Ce sont des jeux où, en fait, il faut apprendre. Il faut apprendre. Il faut apprendre des patterns. Sifu, par exemple, dernier jeu aussi que j'avais fait sur la chaîne, c'est un jeu exigeant. Il n'est pas difficile, en fait. C'est juste qu'il faut apprendre. Apprendre, apprendre, apprendre les patterns des ennemis. Et en fait, quand tu les as appris... ces patterns, un ou une, là faudrait que je regarde. Bah en fait, tu te dis, c'est facile. C'est accessible. Mais oui, vous avez des trucs d'accessibilité en plus dans le jeu, je vous en ai parlé. Le cheval, la magie évidemment, qui sera un élément important pour votre aventure. Ça va être aussi derrière les grâces qui sont beaucoup plus présentes, avec des, notamment des effigies de Marika qui vous permettront là aussi de pouvoir. Vous téléporter plus rapidement vers l'ennemi si vous êtes si vous avez été décimé, etc., etc. Certaines armes qui sont là aussi forcément un peu plus puissantes que la normale. Bref, il y a plein d'éléments qui font que l'accessibilité, encore une fois, est salutaire, notamment pour les nouveaux venus. Mais en même temps, le jeu n'en est pas plus simple. Vous allez vous en prendre plein la tronche. Quoi qu'il arrive, il y a des boss qui vont vous rouler dessus, il y a des mini-boss qui vont vous rouler dessus, mais disons que cet épisode est celui qui introduit le plus d'accessibilité pour permettre aux gens d'avoir moins de frustration, mais suffisamment pour en ressentir un bien indéfectible et un bien total, c'est-à-dire de se dire qu'à la fin que t'as battu un boss, tu souffles, tu poses ta main, tu te dis... Je l'ai battu. Ça, tu l'as toujours. Et le jeu a beau être plus accessible, il n'en est pas plus facile. Et ça, c'est un fait. C'est factuel, c'est concret, c'est comme ça. Tous ceux qui ont fait le jeu vous le diront. Oui, il est plus accessible, mais il n'est pas plus facile. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il suffit simplement de s'en convaincre avec notamment le combat contre Malenia. Ah, n'est-ce pas? Et d'autres, hein, et d'autres évidemment, qui sont là aussi très, très vénères et bien comme il faut. Les fameuses invocations de type loup, soldat, etc. ajoutent à cette accessibilité et c'est pas pour autant que le jeu en devient plus simple. Voilà, petite parenthèse fermée sur ce que je voulais dire. Maintenant, on passe à autre chose. Il n'y a pas eu de débat sur la difficulté, c'est vrai. Au-delà de cette accessibilité, il n'y a pas eu de débat sur la fameuse difficulté. Je suis très étonné. Je m'attendais à ce qu'on dise, oui, le jeu est difficile, machin, il n'y a pas de mode facile et tout ça et tout ça. Il n'y en a pas eu cette année. C'est incroyable, hein. Comme quoi, tout arrive. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir en tout cas. Bande son exceptionnelle. Bande son incroyable qui est vraiment magnifique. Alors tu te dis, oh là là là. La bande son, elle est juste complètement folle. Il y a plusieurs musiques qui sont au-dessus du lot, évidemment. La musique, alors vous le verrez peut-être dans l'extrait que j'ai fait, c'est une musique notamment où on combat un personnage, un animal volant, voilà, pour ne pas en dire plus. Alors, sauf si je mets l'extrait, évidemment, en vidéo. Mais la musique, elle fait très celtique, elle est magnifique à ce niveau-là, vraiment, beaucoup plus douce que les autres. On a la musique de Mog, enfin, le personnage qui a tendance à jouer un peu avec le sang, voilà. Ceux qui ont fait le jeu savent qui c'est. Et alors une des musiques que j'adore et que peut-être vous verrez dans l'introduction. Alors ça dépend si l'introduction elle passe sur YouTube ou pas. Mais c'est celle de Fortisax qui est voilà. Je ne dis pas ce que c'est, mais c'est Fortisax ou Fortusax. Non mais ça doit être Fortisax, il me semble. La musique est exceptionnelle. Oh, la première partie elle est incroyable. La deuxième partie. C'est une masterclass. Une masterclass de puissance. C'est totalement fou. Totalement insane à ce niveau-là. Incroyable. Incroyable, incroyable, incroyable. Donc c'est très bien.
c'est vraiment très bien à ce niveau-là. On a du très 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 bon boulot. Les voix sont bonnes, elles sont efficaces, les effets sonores sont plutôt bons, classiques, mais bon, ils ne sont pas allés non plus dans quelque chose de complètement grandiloquent, mais ils font le taf nécessaire, évidemment. C'est toute la partie du gameplay, bien sûr, qui fait plaisir dans le jeu, parce que derrière, tu as définitivement, comme je l'ai dit, plusieurs façons de jouer. Tu joues comme tu as envie. Quand tu vas revêtir une armure qui va être un peu plus puissante, bah évidemment attention aux charges moyennes, aux charges lourdes, ça aussi il faut faire gaffe parce que plus vous prenez de poids entre guillemets avec l'armure et l'arme, plus vous allez être lourd et plus après pour les esquives ça va être compliqué, mais vous pouvez vous faire donc du coup des builds comme vous en avez envie, et même si en gros vous êtes trompé au début de classe, c'est pas très grave en soi, sauf quand vous prenez vraiment les classes extrêmes, hein, bien sûr. Si par exemple vous prenez une classe magique et en fait vous allez devenir bourrin, bon, c'est un peu compliqué, évidemment, vaut mieux recommencer la partie, mais c'est clair que à côté de tout ça, bah, l'évolution elle se fait naturellement, complètement naturellement, et c'est ça aussi qui fait la force justement de ce jeu. Alors oui, on a toujours les fameux problèmes, comme je vous ai dit, de hitbox qui peuvent arriver, les problèmes de caméra, au secours, ça n'a toujours pas été réglé, mais les problèmes de caméra, oh là 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 là, quand vous êtes dans des intérieurs, la caméra fait n'importe quoi. Ça, c'est une immense, immense déception. Ça n'a jamais été corrigé. Jamais, 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 jamais été corrigé. Et malheureusement, on se retape toujours cette caméra absolument infecte, mais vraiment, qui est totalement dégueulasse, où tu te dis, mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Pourquoi ? Ah non, vraiment. Alors, je sais, c'est compliqué hein, de faire des caméras intéressantes dans des endroits exigus, mais quand t'en prends plein la gueule et que tu vois juste la caméra qui se bloque comme ça dans le décor, ben c'est pas intéressant, je suis désolé, ce n'est pas intéressant du tout. Donc malheureusement, ça fait partie là aussi des points qu'il faudra améliorer un jour ou l'autre. Hein. Heureusement, dans l'open world, ça va, mais bon, ça fait partie quand même là aussi des choses qu'il faudra améliorer, quoi qu'il arrive. Malheureusement, enfin, en tout cas, on l'espère un jour que ce sera réglé. Et puis, ben, comme je l'ai dit, après le gameplay, mais il est tellement plaisant. Tu fais ton build comme tu veux, tu fais ton personnage comme tu veux. Moi, je vous l'ai dit, à un moment donné, je suis passé, j'avais les doubles lames, je suis passé ensuite avec bouclier et lance, après je suis passé avec bouclier et sabre, avec du saignement. Et en fait, tout ça t'évolue au fur et à mesure. Et parfois même, tu vas rester avec des objets que t'as depuis le début. Il y a peut-être des moments où tu te dis, bah, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de telle armure, au final telle arme ou quoi que ce soit. L'important, c'est surtout de choisir les armes avec lesquelles vous aimez combattre. Vous aimez utiliser notamment aussi les spécificités et les habiletés de ces fameuses armes, armes ou boucliers par exemple. Un truc tout bête, mais le bouclier méduse, hop, ça va te permettre par exemple de te mettre un boost de stats de force pendant 30 secondes. Par exemple, tu vas pouvoir avec certains sabres le ranger donc directement et de balancer une attaque magique, etc. etc. Enfin, il y a plein de possibilités. Encore une fois, les possibilités sont quasi infinies. Et c'est ça la force du gameplay du jeu. C'est-à-dire que tu peux trouver ton build en fonction de ta façon de jouer. Et ça, c'est fort. Et ça, c'est très fort. Le jeu va un petit peu finalement se mettre à ton niveau, c'est-à-dire de te dire, voilà, tu as toutes les cartes en main pour choisir ce que tu as envie de faire, comment tu vas le faire, comment tu as envie de jouer. Et c'est ça la force du jeu. Clairement, c'est ça la force du jeu. Il y a une profondeur de gameplay qui est quand même assez hallucinante avec tout cela. Pourquoi ? Parce que il y a l'évolution des niveaux, il y a l'évolution des armes, toutes les armes à récupérer, toutes les armures à récupérer, les cendres de guerre, les invocations, etc. C'est ça la force du jeu. C'est ça qui permet véritablement de développer un titre qui a une profondeur de gameplay totalement délirante. Totalement délirante. Et ça fait partie clairement des points forts du jeu. Ça, c'est une évidence. On conserve toujours, bien sûr, plein de pièges partout que vous allez avoir dans ce jeu. Toujours des moments où vous allez être surpris, où vous allez avoir des ennemis qui vont vous tomber dessus, où vous allez avoir des dalles que vous allez mettre votre pied dessus et bim, il va y avoir des charges de poison, des charges de feu et ce genre de choses. Attention là aussi aux attaques élémentaires. La plupart des ennemis parfois peuvent faire des attaques élémentaires, notamment tout ce qui est poison, tout ce qui va être saignement, tout ce qui est pétrification, tout ce qui est glace, et j'en passe et des meilleurs évidemment. Donc faites attention aussi à cela. Toujours les fameuses invocations rouges que vous allez retrouver également à certains endroits du jeu. Très peu de mimiques. Très très peu de mimiques, alors que dans certains épisodes il y en avait une pelletée. Il y en a très peu.
pour dire aucun, mais en tout cas, j'ai pas eu cette impression. J'en ai peut-être eu un, peut-être à la limite, je sais même plus en fait. Mais c'est vrai que c'est très bizarre parce qu'à chaque fois on est toujours là en train de se dire oula, je vais ouvrir un coffre, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir quoi là, ici? Donc du coup, c'est vrai que tu es toujours un peu surpris. Non, par contre, tu peux avoir des coffres piégés. Tu vas avoir une espèce de brouillard qui va s'intensifier et tu vas être téléporté à un endroit, soit un combat de boss optionnel, soit une zone très avancée dans le jeu. Donc là aussi, pareil, il faudra faire attention. Les combats de boss sont incroyables, incroyables. Que dire de Radahn, bien sûr, qui est c'est un des boss les plus incroyables du jeu. J'ai quand même une préférence pour Malenia, parce que Malenia, elle a un style. Malenia, elle a quelque chose que n'ont pas les autres. Il y a évidemment Morgoth, il y a évidemment Godric, il y a bien sûr derrière les... Même les petits boss, certains petits boss ont un petit truc intéressant. Il y a un petit boss notamment près d'un lac, sur un bateau. C'est marrant. C'est un petit boss marrant. Voilà, c'est un petit boss marrant qui est surprenant, je dirais. Vous avez aussi... Oh, j'ai... Bon, le problème, c'est que je suis en train d'en parler. Il y a sans trop en dire, il y a la Reine de la Lune. Voilà. Ceux qui ont fait le combat sauront ce que je veux dire. Ce combat, il est magnifique. Il est magnifique. On l'a fait en live. Il est magnifique, ce combat. Et d'autres. Je n'en dis pas plus, mais... Il y a des combats de boss qui vont rester là. Comme à l'époque finalement de Dark Souls avec les 4 rois, avec Sif, pour ne citer que lui. C'est un jeu qui est marquant. C'est... Et je pense qu'on va s'arrêter là pour le test-run, ça fait déjà plus de 40 minutes au secours. C'est un jeu qui est marquant de ouf. C'est incroyable de me dire que tu termines l'aventure et en fait... Il te manque un truc. T'as un manque. Tu te dis, putain, j'ai fini une épopée de ouf. Une aventure fantastique. Et... Bah, il me manque un truc. Il me manque quelque chose. Alors certes, hein, le terminer à 100%, il y a encore des choses à faire. Hein. Je ne l'ai pas terminé à 100%. Il y a encore beaucoup, beaucoup de boss optionnels que je n'ai pas fait. Mais... Tu finis ton aventure, tu te dis, putain, j'ai traversé une épopée. J'ai traversé une aventure fantastique, un truc où je me suis dit, je m'attendais pas à ça. Et c'est vrai que Elden Ring a été l'aboutissement d'un projet, l'aboutissement d'une vision, étirée maintenant depuis plusieurs années sur différents épisodes, Dark Souls, Dark Souls 2, Demon's Souls bien sûr, pour ne citer que lui aussi, Sekiro, Dark Souls 3 bien sûr. C'est l'aboutissement d'un projet, l'aboutissement d'une vision, c'est... J'aime pas dire ça parce que ça fait vraiment... C'est l'épisode de la maturité, et encore, j'aurais plus dit que Sekiro était l'épisode de la maturité et que Elden Ring est l'aboutissement de la vision, clairement. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir. C'est magistral. C'est magistral. Vraiment, bravo. Bravo. Félicitations. C'est magistral. Mais... Ça aurait pu être encore plus magistral. Ah ouais, ça aurait pu être encore plus. Vous l'avez vu, hein. Encore une fois, la plupart des tests que je fais, vous le savez, on dit les choses ici. Et en effet, il y a des choses qui vont pas. Comme je vous l'ai dit, au niveau notamment du lore, j'aurais aimé un lore un peu plus poussé, un peu plus travaillé. La caméra qui est toujours aux fraises, la hitbox qui fait parfois n'importe quoi, la technique qui n'est pas à la hauteur, l'équilibrage et le manque d'équilibrage global au niveau du jeu qui fait que t'es OP trop vite, trop facilement, trop rapidement. Le recyclage des boss, le recyclage des grottes, le recyclage des cavernes. Il y a des choses qu'on peut dire sur le jeu. Clairement, il y a des choses que l'on peut lui reprocher. Et il faut le dire. Mais évidemment, ces défauts-là sont vite balayés, en fait. Sont vite balayés par une aventure qui te prend aux tripes. Vraiment, cette aventure solo que tu as. Alors, solo, ou même si vous voulez, bien sûr, après jouer avec des potes, mais... Cette aventure solo, ce monde dévasté dans lequel tu es, où tu te dis « Je pars vers l'inconnu, je sais pas ce qui m'attend, je vais découvrir quelque chose. » Et ça va être certainement insane. Alors, refaire un run, je pense que ça sera du coup beaucoup plus bizarre parce que tu connaîtras en fait le monde. Donc, il sera moins surprenant. Peut-être. Mais ce qui est sûr, c'est que... Définitivement, Elden Ring... Elden Ring est une masterclass, en fait. Il aurait pu être encore plus.
Il aurait pu être cette œuvre, presque parfaite. Il est à ça de la perfection. Il est à ça de la perfection. Mais bon, il n'y est pas. Il n'y est clairement pas, avec tous les défauts que je vous ai cités ici et là, bien sûr. Il n'y est clairement pas. Mais par contre, vous aimez les aventures, vous aimez les jeux frustrants, vous aimez les jeux qui sont exigeants, vous aimez les jeux qui vous donnent envie d'explorer, vous aimez les jeux qui vous donnent envie de parcourir un monde que vous ne connaissez pas, et vous avez envie d'un jeu qui vous laisse une liberté de faire un peu ce que vous voulez, votre façon de jouer, votre façon de découvrir les mondes, de découvrir les environnements, et de découvrir le jeu vidéo tel qu'il est, on revient au code du jeu vidéo classique, en fait, c'est-à-dire un monde créé pour s'amuser, créé pour découvrir, créé pour s'emballer, créé pour voyager. Ce Elden Ring est un voyage vers l'excellence, qu'il atteint brillamment, mais qui aurait pu aller vers la perfection, et qui malheureusement s'effondre avant d'atteindre la perfection. Et ça, c'est bien dommage. Et ça, c'est vraiment dommage. Il manquait pas grand-chose. Mais bon, allez, trêve de plaisanterie, trêve évidemment d'exigence de mon point de vue et d'indulgence. Non, d'exigence en l'occurrence, parce que c'est pas de l'indulgence. J'ai passé un très bon moment sur ce jeu, un excellent moment sur ce jeu, et ça fait partie des très grands jeux que l'on a de cette génération, et certainement même des très grands jeux de tous les temps, tout simplement. Et je m'empêcherai pas quand même de me dire que... Ah, il y a des choses quand même qui frustrent un peu dans le jeu. Ah, des choses qui auraient pu être tellement corrigées et qui ne l'ont pas été. C'est dommage. Mais ça n'entache pas la qualité globale du jeu qui est de dire l'aboutissement d'une vision. Bravo. Définitivement. Bravo From Software. Merci beaucoup. Des bisous et à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Paix, sérénité, force et robustesse. Et vive les jeux vidéo. Salut tout le monde, et à la prochaine. Ciao, ciao.